La primauté dans notre société est accordée à l'économie et au travail. Et donc pour moi, une des clés de la transformation de la société, du changement social, c'est le travail et c'est l'économie. Ça s'appelle Socustom. C'est un projet associatif de création d'un pôle d'activité écologique, solidaire et créatif dans le domaine du réemploi de meubles. Et économiquement, il y a deux sphères qui sont parallèles. Il y a le secteur marchand et il y a le non marchand. Moi, je veux être au milieu. C'est-à-dire comment faire à un moment donné en sorte que dans mon activité économique, pour autant, j'intègre de l'utilité sociale, de l'intérêt général, et pour autant qu'on crée de la vraie activité économique. Il va y avoir une activité principale qui va être la production et la vente de mobilier customisé à partir de déchets. Donc on va récupérer, collecter des déchets mobiliers, on les retape, on les nettoie, on leur donne une seconde vie par là. De la location d'espaces de travail destinés à des particuliers, des groupes et des professionnels qui voudraient par eux-mêmes venir customiser leur mobilier. Vous avez tout l'équipement, les établis, les outils et puis les conseils de professionnels qui vont vous accompagner dans votre travail créatif. La proposition de formation et d'atelier pour qu'à un moment donné, bon, bah, vous allez sur les ateliers qu'on vous loue, mais on ne sait pas forcément faire, bah, formez-vous pour être autonome. Dans l'insertion, je veux faire une petite structure d'insertion, c'est-à-dire au maxi 2, 3, 4 personnes en insertion et pas plus, pour être dans cette logique de mixité, parce que je veux pas d'un espèce de pool de mecs en insertion qui vont mal, entre le drogué, l'ancien tolard, le machin, qui vont se tirer un peu par le bas, qui ont fumé des clopes tous les jours à 10h en disant « ouais putain ma vie ». J'ai envie qu'ils soient dans un environnement de travail où ils aient le sentiment d'être comme tout le monde quoi. J'ai pas du tout envie de grossir, on me dit tout le temps « ouais, dans 10 ans, 50 salariés », je dis « non, pas plus de 10 et on va SMA, d'autres personnes vont porter des projets, nous on veut rester à taille humaine, avoir des rapports humains de proximité, de la convivialité, et quand on est à 50 avec des organigrammes de fous et des processus de je sais pas quoi, bah c'est compliqué de faire vivre ça. » Pour moi, il faut se recentrer sur l'essentiel, et l'essentiel, c'est le lien humain, c'est les gens, c'est nos familles, c'est nos amis, et il faut rester de juste encore continuer à faire prévaloir des intérêts économiques, de travail, ou de « ok, c'est important, il faut vivre, mais il ne faut pas en être esclave ». En France, on est dans une logique de saucissonnage, de compartimentage, de comment on vit. Voilà, on a le social, on a l'économique, on a le culturel, on a le sportif, et puis les choses s'entrecroisent de temps en temps, mais rarement. Ça ne correspondait pas à ma philosophie qui était de dire « ouais, un être humain, bah, c'est un tout ». D'où l'idée, je sais pas, d'avoir envie de faire émerger un projet qui croise tout ça, qui batte en brèche les frontières et les cloisonnements, parce que j'en avais marre. La complexité institutionnelo-financière, c'est-à-dire que voilà, je parlais tout à l'heure d'environ une douzaine de dossiers à constituer. Je sais faire, mais en faire 12, ça me fatigue. Le constat que je pose sur la société, bah, il est assez effrayant de mon point de vue, et donc du coup, j'ai l'impression qu'on a besoin d'inventer de nouvelles réponses aux problématiques sociales, écologiques ou économiques qu'on peut rencontrer, que c'est pas avec les recettes d'hier qu'on va y parvenir. Et donc du coup, il faut inventer, innover, tester des choses, quand bien même on ne sait pas si elles vont fonctionner. Night to